de Voyager Class Optimus Prime, façon G1 refaite, modifiée pour donner un style plus moderne, qui était dans le même pack que Optimus Prime et Regen Mode que je vous ai présenté dans une autre review. D'ailleurs, on va faire une comparaison de taille avec celui-ci. Voilà, alors on compte pas le pistolet, mais c'est à peu près la même taille en tout cas. Pour ce qui est de la cabine, après, ça surélève un peu. Donc au niveau du camion, il est beau, même si là, j'ai quelques petits problèmes. Ici, il y a des trous, c'est mal mis. Bon, ça, c'est sûrement moi. Après, le problème, c'est que son espèce de haut pour le cockpit s'enlève assez facilement. Donc, faut pas trop forcer, sinon, bah, ça fait ça. Sinon, il roule bien. Alors, s'il est un peu mieux fait, mieux assemblé, il peut être très beau. Donc, ici, on a de la... l'avant, la calandre, on a du chromé. Donc les roues, c'est du plastique. Ici aussi, on a du chromé. Mais ça se voit pas. Techniquement, ça se voit pas en véhicule. Le logo Autobot, qui n'est pas de l'autre côté. Donc, assez bonne surprise. À part pour ces petits problèmes là, ici il y a un trou, bon, c'est le syndrome des trous avec Optimus. Donc on va tout de suite passer à la transformation. Alors, transformation qui est assez technique, je vais pas totalement respecter toutes les étapes de la notice dans l'ordre, mais de toute façon c'est le résultat qui compte. Alors déjà, on va enlever ça. On va pas enlever tout de suite. On va détacher les deux parties. Là où nous avons les phares et la portière. Ensuite, ici, nous allons tenter... Là déjà de sortir les points, tenter de ramener ça vers le devant, et mais aussi d'enrouler ceci grâce à ce système là. Donc on l'enroule autour du bras d'Optimus comme ça. Nous avons déjà un bras qu'on positionne bien. On fait pareil pour l'autre. Comme ça. Pareil, on remet bien. Ensuite, on peut déjà sortir la tête. Et la tête qui va être fixée grâce à ceci. Et le... qu'on va garder là. Bon, ça, on va le mettre là pour pas que ça gêne. Ça lui fera un petit béret. C'est mignon. Les pans là, on les remet sur les jambes. Sur en tout cas ce qui va former les jambes. Ici, pour faire les pieds, on va comme ça pivoter. On a les jambes, on détache grâce assez bien attaché hein. Voilà, j'en ai aussi
profiter pour remonter ces parties-là qui forment les genoux, donc on a les jambes. Ensuite, au niveau du haut du torse, alors, on va remonter la caméra. Voilà, ensuite au niveau du haut du torse, on va pivoter à 180 degrés, comme ceci. Ici la calandre, on va replier, comme ça, et on la garde dans le dos. Et cette espèce de le cockpit qui forme le bouclier, une espèce de bouclier dorsal. Et on a Optimus Prime. Alors, je vais déjà bien mettre les bras. On a Optimus Prime et je vais lui donner son arme. Son arme qui a sa propre transformation. Donc à la base, c'est ça. Alors, c'est très simple. On va replier les deux parties comme ça et le manche. Eh bien, on le laisse comme ça. Normalement, c'est comme ça. On le laisse comme ça. Et on le donne à Optimus. Voilà. Il possède aussi une deuxième arme, qui est en fait son bouclier dorsal qui forme le haut du... forme le haut de la cabine. Donc pour ceci on y va au feeling parce que je me souviens absolument plus. Alors on va peut-être replier ça et ensuite cette partie là va venir entre guillemets se clipser. Voilà, on attache tout. Et puis bah voilà. On a une arme qui est assez stylée. Et là, Optimus est bien armé. Il est prêt à tuer Megatron. On va faire une comparaison de taille avec toujours les mêmes filous. Vous les connaissez, Voyager Predaking King. Donc, c'est la même taille, si ce n'est que Predaking dépasse un peu avec son pic, ici. Et le deuxième filou. Et le deuxième filou, le petit slug. Voilà, Deluxe Class. Donc là, on voit vraiment qu'Optimus en impose. Et qu'il est vachement grand par rapport à un simple Deluxe Class. Donc au niveau des articulations, on va leur enlever les armes. Au niveau des articulations, ce qu'on peut dire, c'est que c'est fidèle au G1. Puis qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout, de ball joint. Donc ici, on n'a pas de ball joint, hein, mais on dirait c'est simplement un système pivotation ici aussi. Un ratchet. On a du ratchet à foison. Alors, au niveau du backpack, là ça va.
c'est acceptable. Mais ensuite, quand on ajoute, donc on va retransformer le bouclier dorsal. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas vraiment un bouclier, c'est juste pour qualifier ce truc, cette chose. On détache comme ça, voilà. Mais avec le bouclier dorsal, enfin avec cette partie là en gros, avec cette partie là, pas que se fait tout de suite plus encombrant, mais il gêne pas l'équilibre du robot. Donc au niveau de la tête, on va voir les détails. On a une tête similaire au G1, mais avec quand même plus de détails. Alors comme j'avais dit, là c'est du chromé pour le bassin et les cuisses. Donc ce qui me gêne un peu, c'est ça, c'est ces pans là qui gênent un peu les bras. Ça fait un peu pas très esthétique. Mais à part ça, c'est un très bon jouet. Donc je vous conseille d'acheter le pack, dans, en tout cas Optimus Prime Evasion Mode avec sa version G1. Je crois que ça s'appelle le Duo Pack Evolution. Mais ça, je suis pas trop sûr. Même pas du tout sûr. En tout cas, dans le nom du pack, il y a Evolution. C'est la seule chose dont je suis sûr. Voilà, c'était ce bel Optimus Prime en Voyager Class. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine review.